Chers amis, nous sommes face à Alvi Badianga, l'entrepreneur qui fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux avec son foufou Quito, qu'il va nous présenter maintenant. Alvi, c'est quoi le foufou Quito? Mais déjà, Quito, c'est un mot qui veut dire foufou dans une langue congolaise. J'ai pas envie de dire la langue parce que l'objectif, c'est de nationaliser le produit. Donc, j'ai pas envie de renfermer le produit sur une ethnie donnée. Et voilà, depuis des années, nous avons mangé cet aliment. Mais aujourd'hui, on a pensé qu'il fallait le présenter proprement à travers des emballages modernes qui rivalise un peu le marché international. Le foufou Quito est produit à Dolisie, à 100 et quelques kilomètres d'ici, c'est ça? Oui. Voilà, mais tu décides de lancer la commercialisation à Pointe-Noire. Pourquoi ça? Déjà, la raison pour laquelle nous avons placé notre usine à Dolisie, c'est déjà pour créer la proximité entre Brazzaville et entre les deux grandes agglomérations du pays. Parce qu'on doit se le dire, 90% des consommateurs se trouvent dans ces deux grandes villes. Parce qu'au village, on mange du foufou, mais ce n'est pas nos clients, parce que c'est fait maison. C'est pour aussi créer la proximité avec les fournisseurs de la matière première. Parce que nous savons tous qu'aujourd'hui au Congo, les grands fournisseurs se trouvent, les grands fournisseurs du foufou, donc des écorces de manioc, il se trouve dans la zone de la Bouenza, le Niari et un peu le pôle nord et un peu les plateaux. Dolisie reste encore un autre point stratégique. Un point stratégique, pourquoi? Parce qu'il y a une route en construction, la route nationale numéro 3, qui mène de Dolisie à Ndende au Gabon. Et nous avons fait nos études du marché gabonais. On sait que là-bas aussi, il y a une forte demande du foufou. Le foufou qu'ils consomment là-bas, c'est le foufou qui vient du Cameroun. Après, à côté de tout ça, Dolisie, c'est une petite ville, mais qui ne bouge pas sur le côté privé. C'est-à-dire le secteur privé ne bouge pas. Donc, on a pensé aussi donner cette chance-là aux Dolisiens, parce qu'aujourd'hui, c'est l'administration publique seulement qui fonctionne, et les jeunes sont là dans l'oisivité. Je vois que le projet a été très bien étudié. C'est ta première entreprise ? On a essayé de se lancer dans plusieurs activités, mais vous savez que on dit toujours dans l'entrepreneuriat, l'échec c'est un pas vers la réussite. Donc on a échoué plusieurs fois et cette fois-ci on pense que c'est la meilleure. Parlons de l'entrepreneur, il a fallu combien de temps entre l'idée de produire Quito et la réalisation effective? Moi, j'ai toujours dit l'écart qui existe entre les projets que nous avons, les idées et la réalisation, la concrétisation du projet, c'est la détermination, c'est le travail. Donc, lorsque tu as une idée, il faut rapidement l'exécuter parce que les idées vieillissent avec le temps. Aujourd'hui, ce qui peut être considéré comme un projet innovant, demain, ça peut être obsolète. Donc, il faut rapidement agir. Raison pour laquelle moi je dis toujours aux jeunes Congolais de sortir de l'entrepreneuriat théorique. C'est-à-dire, il y a nombreux qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à parler de l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas théorique. L'entrepreneuriat, c'est un domaine pratique. Si tu as besoin d'être entrepreneur, lance-toi. Ne te pose pas beaucoup de questions. Après, effectivement, il faut bien réfléchir comment lancer son produit, étudier son marché. On l'a fait. Et donc, il est là, le produit. Tu voulais juste montrer le prototype, mais déjà, la demande est forte. La demande est forte et aujourd'hui, là, c'est le point le plus important. Nous avons une très faible capacité de production, ce qui fait que, clairement, on ne peut pas satisfaire la demande nationale. Déjà là, nous avons Brazzaville qui nous met la pression. Nous avons l'Europe encore qui nous met la pression. Mais croyez-moi, on n'a même pas encore fini de couvrir Pointe-Noire. Donc, ça va être dur. Et c'est là où je reviens sur le point en disant que pour grandir, on a besoin des moyens. Académique, on va dire. Oui, académique. Tu as appris ça à l'école? Non, l'administration? Non, voilà, ça c'est une très bonne question. C'est aussi une manière de dire aux jeunes qu'on ne doit pas se limiter à ce que nous avons appris à l'école. L'école nous donne des bases. Moi, je suis informaticien. Je suis allé à l'école
Bon, je peux dire que j'étais en Afrique du Sud, j'ai fait 6 ans en Afrique du Sud, je suis informaticien et j'ai eu la chance de travailler dès le jeune âge. Je travaille, aujourd'hui je peux dire, hein, j'ai 30 ans et je travaille depuis 10 ans. Et je suis arrivé ici, j'ai travaillé dans plusieurs boîtes, je ne vais pas faire leur publicité, mais en tout cas, j'ai travaillé et jusqu'à la dernière minute, je ne me sentais pas bien dans ma peau parce que j'ai beaucoup de projets qui doivent sortir. Ça, c'est un projet qui est sorti, mais je vous garantis qu'il y a beaucoup de projets qui doivent sortir. Et j'ai démissionné de là où j'étais. Pourtant, j'étais quand même dans une zone de confort, mais j'ai démissionné pour rentrer dans l'entrepreneuriat. Premier message aux consommateurs, deuxième message aux éventuels investisseurs et un troisième message aux propriétaires des supermarchés ou des magasins qui n'ont pas encore reçu le produit keto, qui pourtant est demandé pour ceux qui sont informés dans les quartiers. Voilà. Alors, aux consommateurs, nombreux se posent la question, est-ce que c'est le foufou qu'on mange là? Est-ce que c'est du vrai foufou? Est-ce que c'est du foufou fabriqué en France ou comment? Je vais dire une chose. Vous savez, il y a eu un projet similaire dans le passé qu'on appelait Matsumba. Eux, ils n'ont pas pu décoller parce que ils ont utilisé des méthodes industrielles à fabrication à grande échelle du foufou. Et c'est la méthode sud-américaine qui consiste à prendre le tubercule frais et le transformer en foufou d'un coup, le même jour. Et ça n'a pas donné le même foufou. Ça n'a pas donné le même foufou que les Congolais adorent, que les Congolais consomment. Du coup, voilà, du coup, le produit a été rejeté. Alors, ce foufou-là, c'est le foufou des Congolais. C'est le même foufou. Nous, on a juste apporté une valeur ajoutée à un produit qui a toujours existé. Parce qu'on pense que nous ne sommes pas condamnés à commercialiser nos produits du terroir dans des conditions, dans la poussière. Nous ne sommes pas condamnés à ça. Maintenant, aux revendeurs, c'est même du jackpot pour eux, parce que c'est un secret que je peux donner. Nous donnons, bon, ça, c'est pas bien pour dire à la télé, parce que sinon, après, les gens seront frustrés. Mais ce qui est sûr, c'est que les revendeurs gagnent. Ils ont leur pourcentage, ils gagnent beaucoup. Et donc, c'est une opportunité d'affaires pour eux. Ils vont accroître leur chiffre d'affaires. Donc, je ne vois pas pour quelle raison ils devraient rejeter nos produits, à la mesure où c'est un produit consommé par 70% de la population chaque jour. Vous comprenez? Donc, avoir ces produits dans leur boutique ou dans leur shop, dans leur supermarché, c'est un avantage supplémentaire pour eux. Investisseurs aussi, pourquoi pas? Mais bien sûr, parce que, comme je vous ai dit, nous avons une vision très grande de ce que nous sommes en train de faire. Seulement, il faut admettre qu'on ne peut pas atteindre nos objectifs avec les moyens personnels. Et naturellement, on a besoin d'un financement. Aux investisseurs, vous savez que si vous investissez dans un business comme ça, vous ne perdez pas votre argent parce que le risque est très réduit, parce que ce n'est pas un produit où on va convaincre encore les gens de consommer, c'est un produit qui est déjà consommé. Alvi Badianga, merci et plein succès à Quito. Bon, on va pas dire plein succès, parce que c'est-à-dire commencer même déjà sur les réseaux sociaux et dans la consommation dans la ville. On entend parler un peu et tout. Donc, chers amis, Quito est arrivé et Ben est venu interviewer pour connaître l'histoire de Quito et vous dire consommons congolais.